Où est-ce que nous en sommes? Nous avons beaucoup roulé depuis Drumheller, où nous avions visité le musée des dinosaures. Voilà. Là, nous sommes arrivés au pied du parc national de Banff. Un gros, gros parc. Beaucoup de monde, quand même. Et nous allons commencer, du coup, la traversée du parc, je pense, sur plusieurs jours. Voilà. On est toujours avec les copains, family, Gecko family. On y va. Il y a quand même du vent et il fait pas très chaud. Ce matin, au réveil, il faisait 8 degrés. Cette nuit, c'est descendu à 7, à 4. Va falloir commencer à allumer le chauffage. Allez. Un cerf en plein centre de Banff, tout ce qu'il y a de plus normal. Oh punaise, il y en a un autre là-bas. Il ne bouge plus parce qu'il y a une voiture qui m'a un peu bousculé. Attends, top. Donc là on arrive comme ça, là on rentre, là on sort, là on fait comme ça, là la notre projet. C'est trop beau. Alors nous sommes à Banff, on visite les alentours. La ville est très touristique mais on arrive à trouver des petits coins où il n'y a pas grand monde. Là, on est venu voir les odos, appelés aussi cheminées de fées. Ce sont des matériaux glaciaires formés par le vent, la fonte des neiges et Naga. Et l'eau. Naga. On voit pas de baleines. Et oui, en non, plus, en fait, on s'est fait des copains. Presque toute la vie en fait. Toute la vie avec nous. On prend des forces. Et après, direction la montagne. Ouh, ça nous gagne. Thank you.
On entame la descente de Upper Falls. C'était bien sympa. 2,5 km aller, 2,5 km retour, une petite rando. Voilà, alors en descente, c'est plus facile, évidemment. C'était bien sympa. Allez, à plus, on va aller manger. Bonjour. Alors, je suis très heureuse d'être ici, de vous montrer le lac Louise. Donc, nous sommes arrivés sur les lieux assez tôt parce qu'il y a vite beaucoup de monde. Nous étions, j'espère que vous m'entendez, nous étions sur place à 8h30, voilà. On va faire une petite rando pour contourner le lac et visiter les alentours. Voilà. Pour une petite balade, 3,4 km quand même, allez, et 3,4 km retour pour les petites jambes. On va voir au bout. Il y a une petite tea house, peut-être pour se reprendre des forces et faire une pause. Voilà, trop heureux d'être dans le parc national de Banff, ici au lac Louise. C'est trop beau, on voit plein d'animaux. Allez ma poulette. Avec mes petites jambes, les chiffres. T'es forte avec tes petites jambes, d'accord. Tu marches toute seule, c'est bien mon cœur. Et je vais vous montrer des champignons. Des champignons, il y a plein de champignons là sous bois. Ouais, c'est vrai. Des petits champignons ici. Là, voilà, comme des champignons. Là, on a un tout petit. Là, okay. Là, on a deux. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Il est venu comme ça. Mais en fait, ça veillait. Et du coup, il est reparti. Ah, tu l'as fait comme si tu voulais lui donner à manger. Oui. Mais je ne leur donne pas. Non, mais il est monté. Non, il est venu te toucher la main. Ouais. Il a monté sa patte pour maman. Waouh. Oh là là, regardez les filles. Ouais. Regardez Gustav, il est garé tout en bas là-bas. Où ça? Là-bas. Ça là. Là derrière les arbres. Ah ouais. Si tu te mets là, on voit le. Il ne manque plus qu'à aller voir les 6 glaciers. Non, 5 km de plus. Bonjour à tous. Alors, nous sommes au lac Moraine, juste en dessous du lac Louise, que nous avons visité hier. Ce matin, on a un petit peu dormi. On a raté le coche
d'arriver à 29h sur les parkings. Du coup, on a attendu un petit peu. On s'est garé sur un parking en face du lac Maurène en attendant en fait qu'ils ouvrent le parking parce qu'il était blindé. Et là, c'est 11h30, puis on a pu rentrer. Donc du coup, on va bien en profiter. Et voilà, on va faire la petite rando qui était prévue le long du lac. C'est tout petit, je crois qu'en tout, il doit y avoir 3 km, même pas. Voilà. On va vous montrer tout ça parce qu'il est d'un turquoise époustouflant, le lac. Il est vraiment magnifique. Hein. Voilà. Et Rosie, tu voulais dire quelque chose ? C'est parti pour une nouvelle randonnée. Ouais, t'aimes les randos ? Oui. T'es pas fatiguée ? Non. Non ? C'est des petites randos ? Oui. Celle d'hier, quand même, en tout, ça faisait 7 km presque. Hein. On augmente petit à petit. Allez, on va vous montrer tout ça. On est trop heureux d'être ici, c'est trop beau. Les autres, elles étaient des toilettes sèches. Elles sont bien équipées. Il fait un petit peu frais, il y a un petit peu de vent. On est quand même au cœur des montagnes, donc on se couvre les oreilles. On n'a pas la tenue de ski complète, mais quand même. C'est Rosie qui porte le sac. Ouais. On y va ? Elle est beau. Regarde là-bas. Oui. Le lac, on le voit déjà. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est ? Il va où, papa Eulalie ? Voilà. Papa Eulalie ! Là. Une randonnée. Une randonnée de 10 km. C'est ça ? 10 km. Tu fais une randonnée de 10 km ? Oh là ! Je crois qu'elle en fait 3 aller-retour. C'est une toute petite celle-ci. Mais personne ne le sait. Mais personne ne le sait. Allez, on y va. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux me dire quelque chose ? En fait, regardez un ours qui tombe. Il y a un ours qui glisse là, ah oui. Qu'est-ce que c'est alors ? La glace recouvrait à peu près tout sauf les pics les plus élevés. Allez, on y va là-bas, je vois le lac de l'autre côté là. On va voir. Mais en fait, elle était dangereuse. On a pris le petit sentier qui longe la rivière. Ouais, mais on fait des ouches. Sur l'autre sentier. Oui, avait un ours qui protégeait ses bébés. Apparemment, il y a une maman ours avec ses bébés. Oui. Mmh. Et le sentier est fermé. Oui. Pour la protéger et pour nous protéger aussi. Oui. On aurait bien voulu la voir, mais elles sont avec leurs petits. Il faut faire attention quand même.
J'aimerais bien voir un papa rouge, mais un rouge. Bon, bon bien. Allez, on y va. On avance. Ouais, il est beau ce lac. Ce glacier C'est le glacier d'Athabasca. Ici, là. C'est quand même impressionnant comme quoi l'impact de l'homme sur l'écosystème, le réchauffement climatique. Coucou les compagnons. En fait, il y a écrit là qu'en 1942, le glacier, il était ici. Il arrivait jusqu'ici, jusqu'à Gustave. Et là, il est là-bas. Peut-être qu'on va toucher la neige. Et on peut-être qu'on va toucher la neige. On va toucher ce glacier. Ouais, on va aller toucher la neige. Toucher la neige. En même temps, je pense qu'à force que les gens viennent dessus, ça ne lui fait pas du bien non plus. Et là, il est là. Il reste plus que ceci. Il a drôlement diminué. Hein. Il est... En fait, maintenant il est là, il a perdu tout le violet. Ouais. Tout ça s'est fondu. Et encore, le blanc, c'était en 2014. Hein. Oui, il y a 5 ans. Il a dû perdre encore. Notre petite balade pour aller voir. C'était pas une balade, en fait c'était ça. Bon, Eulalie est très déçue parce qu'on n'a pas pu marcher sur le glacier. Le sentier est fermé, il y a pas mal de crevasses apparemment. Il y a que ceux qui sont accompagnés d'un guide ou bien équipés avec des cordes et piolets qui peuvent avoir accès. Voilà, donc on est un peu déçus, on a pu accéder jusqu'au pied du glacier mais pas marcher dessus. Mais bon, c'est pas grave, c'est déjà bien. Voilà. Thank you.
C'est de la combien? Oui. Celle-là aussi, on les a fait tout à l'heure. Allez, c'est bon. On va à Gustave alors. Oui. Ok, tes amis. Ça, c'est les deux bébés. Ça, c'est les parents. Ça, c'est la maman. Ça, c'est le papa. Ça, c'est le bébé. Elle, elle a un an, elle 3 ans. Lui, 50 ans et elle, 140 ans. On a bien marché. Celle-là, c'est... En fait, celle-là, c'est les parents et celle-là, c'est les enfants. D'accord, j'avais compris. On a bien marché. Ouais, c'est bien ma poulette. Et moi, j'ai ramassé ça. On était pas poté de la journée. Ben oui. On y va? Oui. Ah, des chèvres des montagnes. Elles sont belles. Ça va? Oui, tu as faim. Ça y est, on vient de se poser. Petit camping pour ce soir. En plein cœur de Jasper. Mmh. On est plutôt pas mal. Entouré des montagnes au cœur de la forêt. Voilà. On va voir le petit soleil. Et c'est quelle heure? 17h, je crois. 17h30. On va préparer à manger. Bonjour à tous. Alors, nous sommes toujours sur la route des glaciers entre le parc national de Banff et le parc national de Jasper. On s'arrête à des chutes, hein, les chutes d'Athabasca. Et hier, on a fait les chutes de Swampata. Voilà, on vous mettra tout ça en image. Et comme vous pouvez voir, c'est des lieux très prisés, donc il y a pas mal de monde. Voilà. Allez, on va vous montrer tout ça. Et le beau sac de randonnée. Oui. Et mon fils en a accroché une petite coche. On a. Ah, présente-le. Présente-le. Qu'est-ce qu'il a le sac à papa là? Il a l'air bien papa. Oui, ça c'est un petit coup. Et là, ça c'est une cloche. C'est génial. Ça c'est une cloche. Il a mis les bûches.
Allez, on poursuit notre balade dans le parc national de Jasper. Nous sommes au mont Edith Cavell. Attendez, je vous montre ça. Ouh. Il est trop haut en fait. 3363 mètres d'altitude. On va essayer de faire une petite rando autour. Allez, on va vous montrer tout ça. Allez, allez. Un bouchon. Un bouchon. Deux bouchons. Allez, Lali. Allez, Lali. Là. Oui. En fait, c'est 5 km. C'est 5 km? Non, elle fait plus. Elle fait presque 8. Elle fait 8. Mais je pense qu'on n'ira peut-être pas jusqu'au bout. Ça dépend de vos capacités. Déjà, des fois, on fait plus que ça. Plus que ça? Ouais. Ça dépend. Ouais, ça dépend. Ouais, comment t'as fait pour aller en haut toi déjà? Peut-être qu'elle est montée par là. Ce sont des tout petits sentiers avec plein de cailloux, plein de roches. C'est joli, hein? 5 km. Allez, vas-y. Ça va? On a déchiré tous les patins longs. Du coup, maman, elle a demandé à Claudine des petites accroches. Du coup, c'est pas lui. Ouais, c'est surtout parce que vous crapahutez. On est allé chez des amis qui s'appellent déjà comme là. Je sais pas. Des amis qui nous ont fait des pizzas maison. C'est Guillaume et Mélanie. Oui. Et Guillaume, il m'a dit que vous connaissez Pampi Nano. Oui. C'est sublime. Est-ce qu'il y a un chat? Non, je crois pas. Il mange des glands, mon cœur. Des glands? Oui. Allez, ma puce, c'est bien. On est tout près là du glacier Angel qui est sur le mont Edith Cavell. Qu'est-ce que c'est bon? Bon, on y va. Pose boisson. Pose bière. Water. Fille, maman. Quoi, des bons sportifs. Parce que en fait, on n'en trouve pas tous des graines pour les écureuils. C'est pas des graines pour les écureuils. Tiens, tiens mon bouchon. Parce que le drap qui pousse. Au bout du premier, deuxième palier. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là.
Ça fera presque 5,6 km. Petite pause goûter. On n'est pas de marmotte. Ben, il faut attendre. Tu veux un petit poser. Waouh, c'est une petite écueille. C'est une petite écueille. Allez-y, allez-y. Tiens, tiens, papa. Dépasse, dépasse. Après, il faut le laisser. Si vous lui courez après, il s'en va. Si vous lui courez après, il est où? Il est là. Laisse-le. On est monté à combien, Ninou, là? 2100 mètres d'altitude. 2100 mètres, waouh! Quand même! Quand même! Pour des petites pattes, c'est pas mal. Pour des petites graines de globe-trotteuse. Tu veux pisser, maman? Oui. Tu veux maman? Oui. On a. Qu'elle est belle, elle est grosse! Ouais, on a. C'est la première fois qu'on voit l'eau de la caméra. Je peux toucher la lèvre? Je peux trop, je crois qu'il faut que t'avances. Oh putain! Il passe la lèvre! Si en tus brazos me...